Salut, bienvenue encore une fois dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur Express Pro, c'est Claude. Aujourd'hui, nous allons voir comment apprendre la programmation gratuitement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un site vraiment complet qui va vous permettre d'apprendre la programmation gratuitement. Oui, je dis bien gratuitement. C'est un site que moi-même j'ai utilisé, vraiment, qui est vraiment complet. Donc, dans cette vidéo, j'aimerais vous le présenter. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, j'aimerais vous inviter. Ici, nous publions quotidiennement des vidéos sur l'informatique et le business en ligne. Donc, si vous êtes pour la première fois sur cette chaîne, je vous invite, pour ne pas rater les prochaines vidéos, à vous abonner et à activer la notification, car il y a de très belles opportunités qui m'ont béni, de très belles vidéos, donc pour ne pas les rater, activez la notification surtout pour être notifié des vidéos qui m'ont béni. Pour ne pas trop parler, nous allons voir juste après ce jingle. Ok, nous voilà sur mon PC. Et donc, comme je vous l'ai dit tout de suite, le site qu'on va voir, c'est un site, c'est vraiment une aubaine pour tous ceux qui aiment l'informatique, notamment tous ceux qui veulent s'intéresser à la programmation, tous ceux qui aiment la programmation et veulent l'apprendre, apprendre à coder. C'est vraiment une opportunité, c'est vraiment une aubaine pour eux. Car c'est un site qui est complet, surtout pour les débutants. C'est un site vraiment que je vous recommande. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'aimerais vous le présenter et c'est pourquoi je fais cette vidéo. C'est un site que moi-même j'ai utilisé, comme je l'ai dit dans l'introduction. C'est un site que moi-même j'ai utilisé pour apprendre les bases de la programmation. Donc c'est un site qui est développé par Pierre Giraud. Donc vraiment merci Pierre Giraud. Bon, j'ai eu des informations qu'il est décédé, mais quand même il a mis en place vraiment un joyau en tout cas pour tous ceux qui aiment le développement web, tous ceux qui sont fans de l'informatique. Vraiment c'est un joyau et c'est pourquoi je voudrais vous le présenter. C'est un site complet pour tous ceux qui connaissent les sites sur lesquels on peut aussi apprendre l'informatique. Nous avons le site du Zoro qui est devenu Open Classroom, donc qui est fonctionnel actuellement. Mais seulement que la plupart des cours maintenant sur Open Classroom sont payants. Ouais, donc c'est des cours payants. Et il y a encore Codecademy et d'autres. Mais ce site particulièrement, l'avantage de ce site que je vous présente dans cette vidéo, c'est que tous les cours sont premièrement en français, ça c'est un avantage. Et de deux, tous les cours sont structurés comme type Open Classroom, c'est structuré comme les cours payants, c'est-à-dire c'est structuré. Il y a des objectifs, ouais. Donc on va le voir, il y a des objectifs à atteindre dans chaque cours, ouais. Donc c'est vraiment structuré et vous allez voir que c'est très bon pour ce site. Est vraiment adapté à tous ceux qui veulent commencer par la programmation. Apprendre la programmation, c'est vraiment un site que je vous recommande. Si vous voulez débuter la programmation, c'est un site que je vous recommande. C'est pourquoi je fais la vidéo d'ailleurs. Donc, c'est vraiment structuré et vous voyez que c'est le site, hein, on est déjà sur le site. Vous voyez donc toutes vos ressources sur le développement web. Ouais, donc apprenez à coder en HTML, CSS, JavaScript, Python, PHP, etc. Donc tous ces langages vous pouvez les voir sur ce site. Donc il y a le JS aussi, hein, qui est un langage qui est un langage, le JavaScript, hein, donc avec ces frameworks tels que Angular et Node.js. Donc il y a tous ces cours ici, vous voyez, donc ça c'est ouais, donc vous allez voir tous ces cours ici, React, vous voyez, donc c'est React ça. Donc il y a Angular, React et c'est les frameworks de JavaScript. Donc c'est un cours, c'est un site vraiment que vraiment je tire chapeau
Pierre Giraud, vraiment, c'est vraiment un bon boulot qu'il a vraiment mis en place pour les développeurs et les apprentis développeurs. Donc, nous allons voir les cours que vous pouvez avoir sur ce site-là. Donc, vous voyez, comme vous le voyez ici, apprenez à coder des cours complets, gratuits, accessibles à tous. Donc, c'est quelqu'un qui a mis toutes ses connaissances à disposition. Vous voyez, donc, nous avons HTML, nous avons HTML, CSS, JS, c'est-à-dire le JavaScript, nous avons PHP, nous avons MySQL, nous avons Python, nous avons les frameworks, vous voyez, donc, nous avons jQuery, nous avons, vous voyez, donc, il y a tout ici. Donc, on va cliquer sur découvrir tous les cours, vous voyez, on va cliquer sur découvrir tous les cours. Donc, vous voyez qu'il y a tout ici. Donc, les cours sont structurés. Donc, premièrement, il a mis apprendre à coder en HTML, CSS. Donc, naturellement, tous les professionnels ou bien tous les experts dans le domaine de la programmation vont vous conseiller de commencer par le HTML et CSS. Par le HTML et CSS. Dans la programmation parce que c'est des langages web et c'est des langages en fait qui va vous permettre en fait de vous donner la motivation nécessaire quand vous voulez apprendre la programmation car les résultats vous le voyez, vous pouvez les exécuter avec votre navigateur. Donc tous les navigateurs exécutent le code HTML CSS. Donc il a bien fait de mettre premièrement le HTML CSS. Après, nous avons JS, ouais, JavaScript aussi, que vous pouvez commencer avec. Donc, tous les navigateurs peuvent exécuter ces codes-là. Donc, c'est bien de commencer avec ces codes parce que vous pouvez voir votre évolution en même temps. Vous pouvez vous-même définir des projets que vous pouvez voir l'évolution et ça va vous donner de la motivation. Maintenant, nous avons les langages serveurs tels que le PHP, nous avons le Python qui est vraiment, qui monte maintenant, donc qui est un langage orienté serveur qui monte maintenant et qui est utilisé notamment dans le développement de l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez, donc, vous avez tous les cours ici. Donc, une fois, si vous voulez apprendre un cours, vous voulez commencer un cours, vous cliquez sur le cours en question et vous allez atteindre cette page. Vous voyez donc, vous voyez que ici, c'est structuré comme je vous l'ai dit. Bon, j'aimerais aussi vous dire, tous ceux qui suivent cette vidéo-là, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner car ici nous publions quotidiennement des vidéos sur l'informatique et le business en ligne. Donc pour ne pas rater de très belles vidéos qui vont venir, abonnez-vous et activez la notification. Donc comme je vous l'ai dit, j'aimerais que vous suivez la vidéo surtout jusqu'à la fin parce que à la fin j'ai un petit bonus à réserver à vous donner donc à la fin de cette vidéo. Donc suivez, ne partez pas sinon vous allez rater le bonus. Donc vous voyez que nous sommes sur la page de HTML CSS. Donc si vous voulez commencer ce cours, vous avez vu que ici on a mis les objectifs du cours. Donc c'est structuré, c'est comme si vous êtes dans une salle de classe. Ouais, c'est structuré, c'est tellement structuré, c'est ce qui est bien. Vous voyez les objectifs du cours, CSS, les prérequis, hein, il a mis les prérequis aussi. Donc vous voyez, donc, vous pouvez lire et posément, vous voyez, il a bien fait le cours et vraiment, je vous recommande ça. Donc si vous cliquez ici par exemple, vous pouvez accéder au cours, vous voyez, vous pouvez accéder aux différentes étapes, vous voyez, donc. Je vais sortir de là et il y a aussi un PDF. Vous voyez qu'il a mis le PDF des cours ici. Il a mis le PDF des cours ici. Et je vous rappelle aussi qu'il a une chaîne YouTube. Si vous n'aimez pas le format écrit, donc si vous êtes intéressé par le format image, nous allons découvrir tout de suite son site web.
sa chaîne YouTube où il propose ses cours en vidéo. Donc, si c'est les cours en vidéo qui vous intéressent, vous pouvez y aller. Donc, vous voyez, introduction au cours, vous voyez, donc c'est structuré, il y a l'introduction et vous voyez, c'est vraiment structuré. Donc, de la même façon, si vous prenez les autres cours aussi, si vous prenez par exemple JS, vous voyez, ou bien MySQL, ou bien Python, vous voyez, tous ceux qui veulent faire le développement hein, avec Python, donc vous voyez, les cours sont structurés et c'est gratuit. Ouais, c'est gratuit comme je vous ai dit. C'est un site méconnu. Ouais, c'est un site méconnu, c'est pourquoi je tiens à vous le présenter. Et il y a tous les cours, si vous voulez apprendre, commencer la programmation, je vous recommande ce site-là. Donc nous allons voir sa chaîne YouTube. Donc il suffit d'aller dans YouTube et de taper. Je vais aller sur YouTube, je vais mettre Pierre Giraud. Vous allez voir que toutes ces vidéos vont sortir. Je vais mettre Pierre Giraud. Je vais copier, je colle ici. Je vais mettre en l'air. Donc, je vais sur YouTube. Donc, tous ceux qui sont intéressés par le format vidéo, là, ne vous en faites pas. Et il y aura pour tout le monde, hein, donc ne vous en faites pas, il y a des formats vidéo, PGO à penser à tout le monde. Et donc, ouais, PGO, je mets le P là, et P, ok, je mets P, PGO, donc. Vous voyez que c'est sa chaîne, vous voyez Pierre Giraud, vous voyez donc c'est sa chaîne. Et il y a, je vais aller sur la chaîne même, vous allez voir, et il y a tous les cours, hein, pour commencer, vous voyez, donc il y a tous les cours, vous voyez, donc vous voyez CSS, HTML, CSS, vous voyez qui est en vidéo, vous pouvez suivre les cours directement, HTML, CSS, vous voyez, il y a WordPress même, comment créer un blog avec WordPress, vous voyez, donc c'est le CMS, WordPress c'est un CMS. Donc vous allez voir qu'il y a tous les cours ici. Donc si vous cliquez sur vidéo, vous allez voir tous les cours. Donc comme je vous ai dit, c'est ici moi j'ai commencé par apprendre les bases de la programmation. Donc donc il y a tous les cours ici pour ceux qui sont intéressés par le format vidéo. Donc vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube. Donc, je ne voudrais pas que la vidéo soit très longue, vraiment, c'est un site que j'ai découvert, je voudrais vous le présenter. Maintenant, chose promise, chose due, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous voyez, donc, pour, comme je l'ai dit, je vous ai dit que j'ai réservé un petit bonus pour la fin. Donc, ce bonus, c'est naturellement l'environnement de développement. Si vous voulez commencer le développement web, que ce soit le développement web ou bien le développement en général, vous avez besoin d'un environnement où vous allez coder, hein, votre environnement, hein, donc une application qui va vous permettre d'éditer les codes. Donc je voudrais vraiment vous recommander, je vais vous donner un éditeur que je trouve très bon, que moi-même j'ai utilisé, qui s'appelle Brackets. Donc Brackets, c'est vraiment un éditeur qui est très très bon, très simple à utiliser. Donc je voudrais vous le donner à la fin de cette vidéo pour bonus. Donc si vous allez dans Google par exemple, vous tapez Brackets, c'est simple, c'est un logiciel très très léger. Donc vous tapez Brackets, ouais, Brackets. Ouais, bracket, c'est gratuit, hein. Ouais, donc je vais mettre bracket, télécharger bracket, ouais, donc il y a bracket, ouais. Donc c'est un logiciel léger, donc vous pouvez le trouver pour la programmation, ouais. Donc si vous allez, vous pouvez le télécharger pour commencer à développer vos codes. Donc c'est un environnement de bracket. Moi, je ne vais pas le télécharger ici.
parce que j'avais étudié ça seulement, je voudrais vous le conseiller. Vous voyez qu'il a presque 5 étoiles. Donc, les gens l'utilisent et si vous voyez qu'il y a beaucoup d'étoiles, ça veut dire que c'est vraiment bon et les gens l'apprécient. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci et je rappelle encore, si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici nous publions quotidiennement des vidéos sur le business en ligne et l'informatique. Donc, si vous aimez les domaines, si vous aimez les thématiques, bien que le business en ligne ou bien l'informatique, vraiment tout ce que vous avez à faire maintenant pour ne pas rater ces belles vidéos qui vont venir, hein, de très 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 bon contenu. Qui vont venir là, très bon actif. Tout ce que je vous dis, c'est de vous abonner et d'activer la notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Parce que si vous n'activez pas la notification, vous n'aurez pas les vidéos qu'on va publier et vous allez les rater. Donc, pour ne pas les rater, activez la notification surtout. Donc, merci beaucoup et merci à vous tous. Et on se retrouve vraiment dans une nouvelle vidéo. Merci et à la prochaine!